Chers amis, vous savez qu'aujourd'hui nous fêtons, le 25 mars, nous fêtons l'annonce faite à Marie. L'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va être celle qui va recevoir celui qui vient jusqu'à nous, le Verbe fait chair. J'imagine que Marie devait connaître à ce moment-là un moment de solitude extrême, un peu comme peut-être vous le vivez vous-même. Il est dit dans l'Évangile qu'elle a été toute bouleversée. Et là, la décision d'accueillir le Verbe fait chair, d'accueillir le Fils de Dieu en elle, ce bouleversement de sa vie, eh bien, c'est quelque chose qui peut nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes bouleversés, nous aussi, et nous avons à nous approprier la vie, que la vie vienne jusqu'à nous. Aujourd'hui, vous le savez, nous vous proposons, avec tous les évêques d'Île-de-France, dans le monde entier, d'allumer une bougie au moment où les cloches sonneront. Toutes les églises de France vont sonner en même temps à 19h30 pour marquer justement cette communion, cette unité entre tous les Français. Nous le faisons aussi pour marquer notre communion avec ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui sont malades, ceux qui sont morts, leurs familles et tous les soignants, bien sûr, qui se dévouent corps et âme auprès de ces malades. Donc, à 19h30, nos cloches sonneront un peu partout. Et si vous le voulez bien, vous pouvez allumer une bougie sur le rebord de votre fenêtre pour marquer votre unité, votre communion et votre prière pour ceux qui prient envers ceux qui en ont besoin. Bien sûr, je vous engage aussi à méditer à ce moment-là le chapelet en méditant ce mystère tout particulier de l'annonce faite à Marie et donc recueillir toutes les grâces. Merci à vous tous et bonne journée, bonne fête !